L'activité chez vous se poursuit et nous sommes avec notre deuxième invité sur ce plateau. Il est artiste, chanteur et à la fois beatmaker. C'est une figure bien connue dans le showbiz béninois. Vous le connaissez et je l'annonçais en début d'émission. Il est déjà avec nous. Il s'agit de Chris Beat qui est déjà sur ce plateau. Bonsoir Chris. Bonsoir Islay. Tu vas bien? Très bien et toi? Ça va, je vais très bien. Voilà. Il y a quand même longtemps, hein? Oui, il y a longtemps. Il y a longtemps. Allez, Chris Beat est de retour sur le plateau du samedi chez vous pour partager avec les mélomanes une fois encore son actualité, parce que justement l'actualité c'est une sortie, une collaboration avec Boboé. Exactement. Titré Tsunami. C'est parce que je ne voulais pas dire. Parce que Tsunami. Pourquoi? Tu n'as pas les dents en place ou tu pas? Tu as essayé, tu as essayé. Tsunami. Répète. Tsunami. Bon, ça Tsunami. Peut aller. Ça peut aller. Allez, Chris Beat, tu vas prendre par Etiomo avant d'aller sur Sans Détour. Etiomo, nous allons redécouvrir ton parcours professionnel et ça va se passer avec Céline Bovy. Bonsoir, Chris. Bonsoir. Bon, cette fois-ci, tu es face à moi. Ok. Et tu vas répondre. D'accord. On ne sait pas, c'est des questions, je vais dire auxquelles tu es peut-être habitué. Mais je suis sûr que dans le sens des tours, il y a une question qui va serrer ton cou. J'ai corsé. On va commencer par ici d'abord. Mm-hmm. Alors, à quel âge est-ce que tu as su que tu étais vraiment un talent? Tu étais vraiment un artiste qui a quelque chose à donner? Bon, je ne m'en rappelle vraiment pas, mais quand même, je vais dire que c'est un truc qui est venu de manière progressive. C'est déjà depuis enfant, quand j'étais enfant, mon père il a l'habitude déjà de jouer beaucoup de musique, même si c'est pas la musique qu'on fait actuellement et tout. La musique traditionnelle, les week-ends, c'est connu généralement à la maison pour être ambiançant. On ramène des baffes dans la cour et on met juste de la musique, il n'y a pas de fête, juste comme ça. Donc je pense que ça m'a un peu aidé et je pense que ça c'est plus manifesté quand j'ai commencé le faucon. J'ai commencé le faucon en sixième, où j'ai eu à connaître des amis avec les activités culturelles, les vendredis soirs et tout. J'ai découvert cette passion et puis voilà, c'est là que tout a réellement commencé pour moi. D'accord, donc on retient que ça a premièrement commencé à la maison, dans le cocon familial. Tu as grandi dans vraiment une atmosphère musicale. Exactement. Après, quand tu as commencé l'école, ça a continué. Voilà. Parfait. Est-ce que tu peux en quelques mots nous raconter ton parcours en tant qu'artiste? J'ai connu un parcours vraiment pas facile. Et puis, vu que je suis quelqu'un de base qui ne cède pas, qui n'abandonne pas, je savais en fait que tout cela me mènerait à quelque part en fait. Et puis, il y a quelque chose qui m'attendait devant, quoi. Mm-hmm. Donc, déjà à mes débuts et tout, il y avait cette difficulté que beaucoup d'artistes rencontrent généralement. Le fait de ne pas aller se produire en studio par manque de... faute de moyens et tout. Mm-hmm. Et puis par la suite il y a ces quelques personnes qui je le prends pas mal mais qui m'ont quand même assez découragé, qui n'ont pas cru en toi. Voilà, qui n'ont pas cru en moi. Mais dire n'ont pas cru en moi, c'est pas assez suffisant, parce que ils sont même allés dire que c'est pas fait pour toi et tout. Donc c'est des choses qui à la fois blessent mais qui motivent, parce que tu es désormais poussé à prouver à ces personnes qu'en fait ils ont eu tort de penser cela de toi. Et puis voilà, je suis quelqu'un d'assez motivé, et puis je n'abandonne pas. Et c'est cette motivation qui t'a justement amené là où tu es aujourd'hui. Exactement. Alors, en quelle année, premièrement, est-ce que tu as fait face à ton public? À mon public? Quand je dis public, ce n'est pas forcément un grand monde, ce n'est pas forcément un concert. Mais en quelle année est-ce que tu as dû montrer à un certain nombre que tu chantes, par exemple? Ça, je veux dire, en 2010, au Faucon, j'étais en face de mon directeur et tout, et de quelques professeurs, avec des amis, bien sûr. Il y avait le stress. Le stress était à son paroxysme. Je tremblais et tout. Et puis quand j'ai donné une bonne prestation ce jour-là. Il fallait que tu chantes. Voilà, exactement. Mm-hmm. C'était mon premier morceau et tout. D'accord. C'était du rap.
du rap, pas comme les autres. Donc, c'était tout à fait normal. J'imagine bien. Et donc, quel est le titre de ce premier single, justement? Dans les bacs. Dans les bacs. Dans les bacs. Pour tu dire te que rappelles je suis arrivé encore dans des paroles? Franchement, je ne me rappelle pas parce que déjà, ça va faire plus de 10 ans que j'ai perdu le morceau. Mm-hmm. J'aurais aimé avoir encore ça et tout. Donc, ça fait que j'ai peut-être complètement... que tu vas encore retravailler sur ça. Pourquoi pas? D'accord. Pourquoi aujourd'hui, ajouté à ton côté artiste, tu es beatmaker, tu mixes. Exactement. Avec combien d'artistes comme ça tu travailles aujourd'hui? En moyenne? J'ai, je veux dire, une cinquantaine. Hein. Mmh. Waouh! Ouais, au Bénin? Au Bénin, il y a d'autres qui viennent du Nigeria, quand même, qui viennent de la Côte d'Ivoire. Voilà, pour ne pas trop exagérer, je veux dire, mmh. En moyenne, une cinquantaine. Il y a peut-être des morceaux de la Côte d'Ivoire ou du Nigeria qu'on connaît, on pourrait même pas imaginer que ça soit... Chris Beat qui l'a réalisé. Mais il y a cette fameuse phrase là qui. Quelques exemples bon, de beat. Généralement, pour les artistes. Dans la sous-région, j'ai pas eu réellement à travailler avec de grands noms. D'accord. Mais quand même, il y a ces artistes de l'underground qui découvrent un peu à travers les artistes que je produis ici, mes œuvres, et qui décident de collaborer avec moi. Donc, prennent le leur vol et tout, ils viennent au pays et puis on travaille. Donc, il y a des artistes, mais vraiment, je ne pense pas que vous les connaissez rien. Voilà, donc c'est un peu ça. Inch'Allah, ça va venir. Amen. Et à Saké et autres là. On espère même. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'artiste et mixeur, beatmaker, est-ce que tu es fier de toi aujourd'hui? Bien sûr, je suis fier de moi dans le sens où. Si je dois par exemple vous donner un exemple, il y a 5 ou 6 ans, mon père ne voulait pas que je fasse de la musique, au point où il était emmené à brûler mes matos à la maison, parce que le studio se trouve en fait chez mes parents. Et voir aujourd'hui que la même personne décide, quand il vient à la maison avec ses collègues, de rentrer en studio et de leur dire voilà, c'est ici que tel morceau que vous avez écouté sur quand on était à tel événement, le morceau que le DJ a joué, c'est ici que ça a été produit, c'est mon enfant qui l'a produit. Moi, je pense que ça donne quand même une fierté et tout. Et puis, on se dit, ben, voilà, on a quand même fini par convaincre ceux qui ne voulaient réellement pas, parce que je pense que c'est pour notre bien en partie, qu'ils décident, qu'ils ne veulent pas qu'on fasse de la musique parce qu'ils savent un peu comment ça se passe au pays, savent que le métier qu'on essaie d'emprunter et tout, c'est pas non seulement facile, mais vraiment pas prometteur à long terme. Donc c'est tout à fait normal. Et aujourd'hui, voir un peu comment ils nous apportent leur soutien, je parle de mes parents, papa et maman et tout, ça fait quand même plaisir. Ça fait assez plaisir. En quelques mots, c'est en quelques mots, comment est-ce que se résume l'artiste aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il est, Chris Beat, aujourd'hui dans Chris le Beat, monde du showbiz? Chris Beat, c'est quelqu'un d'assez polyvalent. C'est vrai que beaucoup m'ont découvert en tant que beatmaker, en tant que ingénieur de son, à travers les œuvres que j'ai eu à produire pour beaucoup d'artistes. Mais aujourd'hui, j'ai voulu en fait montrer ce second côté de moi, parce que beaucoup ne le savent pas, j'étais à la base artiste, j'étais rappeur, artiste, chanteur. C'est-à-dire que j'avais pas de studio, j'allais dans d'autres studios pour enregistrer mes morceaux. Et puis avec le temps, j'ai décidé de devenir beatmaker. Donc si on m'a découvert en tant que beatmaker, j'ai trouvé en fait que c'est une chance pour moi en fait de montrer ce second côté. Par cette même occasion. Et quand même, ça fait plaisir. Déjà, il y a un premier morceau qui était sorti il y a environ 6 ou 7 mois en feat avec First King, Glek Benou. Il y a Tout est psychologique qui est sorti bien avant avec T-Kang. Et à travers ses œuvres, je pense que beaucoup ont découvert en fait ce côté chanteur du beatmaker Chris Beat qu'on ne connaissait pas. Donc, merci. Voilà. Gisley? Et justement, comment est-ce que tu arrives à jumeler les deux? Le beatmaking et le chant. C'est pas facile. Puisque là tout de suite, normalement, j'avais une session avec un artiste.
Et voilà, j'ai juste reporté la session et tout. Et je pense que c'est quelqu'un qui comprend et tout. Voilà, quand on décide d'être artiste, c'est un monde qu'on décide d'emprunter. Et puis, du coup, il y a cette tournée et tout, se faire connaître à travers les émissions. Donc, je pense qu'avec un peu de planification, on finit toujours pas pouvoir jumeler les deux à la fois. Est-ce que tu t'es senti supérieur à un beatmaker benoît, par exemple? Je sais pas, tu t'es dit, oh tiens, ce gars il fout rien, il sait rien faire. Est-ce que c'est Non, comme ça qu'il non, fournissait? non, je suis pas comme ça. En fait, déjà, il y a un truc que je dis à mes proches. On ne dit pas à quelqu'un tu es nul. Tu peux lui dire tu peux t'améliorer. C'est pas encore ça. Mais dire tu es nul, c'est vraiment rabaisser cette personne. Et généralement, on a tous cette force qui nous pousse à nous surpasser, j'allais dire. Et dès que tu entends ces mots-là, direct, tu les perds en fait. Donc du coup, se sentir déjà supérieur, moi je préfère me comparer. Du genre, moi il y a 5 ans, quand j'écoute mes anciennes beats, mes anciennes prods, aujourd'hui je souris parce que je me dis, mais à quel moment j'ai fait ces trucs-là qui sont tellement nuls? Aujourd'hui, je trouve que quand même, il y a de l'amélioration dans le travail et c'est ce que j'aime en fait faire souvent. C'est-à-dire, dans 10 ans, j'aimerais quand même dire aujourd'hui, mais quand même par rapport à ce que je faisais, je fais quand même encore, je me suis amélioré et tout, et voilà, je suis devenu encore plus performant en fait. Je pense que c'est ma nature. Voilà. Ok, et ton pire spectacle, c'était quand? Mon pire spectacle. Ou bien il y en a pas. Non, il y a cette fois où je pense c'était un événement de Miss. C'était un événement de Miss. Et à l'époque, je m'appelais Cannibal. J'étais rappeur. Un cannibale, c'est celui qui mange un être humain. C'est celui qui mange son selon et tout, quoi. Et donc, quand on m'a annoncé sur scène et que l'animateur a dit, faites un maximum de bruit pour Pour cannibale. Cannibal. Le public, Cannibale. mais cannibale, il veut manger qui ici? Donc ça m'a assez déstabilisé. Et bien sûr, j'ai pas donné la meilleure performance ce Ce jour-là. jour-là. Ce jour, franchement, je pense que c'est les étapes par lesquelles il fallait que je passe pour comprendre beaucoup de choses. Et voilà quoi. Aujourd'hui, je m'appelle Chris Beat, et je suis une nouvelle personne. Et qu'en Bravo. est-il de ton espoir le plus grand selon toi-même? Mon espoir le plus grand, c'est pas au pays, c'était au Togo. D'accord. J'ai été invité pour un spectacle. Et franchement, je ne savais pas qu'on m'écoutait en fait là-bas. Je savais pas vraiment qu'on m'écoutait là-bas. J'avais un public de fou qui m'attendait ce jour-là. C'était un spectacle et qui devait se tenir dans une école. Et puis l'accueil et tout, franchement, c'était exceptionnel. Déjà, avant que je ne rentre, il y avait du monde. Les gens voulaient prendre des photos avec moi. Mais je me suis dit, à quel moment, en fait, ma musique a traversé les frontières et puis au point où les gens me connaissent, m'attendent et tout. Donc, ce jour-là, c'était magique. C'était magique. Et à chaque fois quand j'y repense, je me dis, voilà, c'est sûr que c'est pour une raison. D'accord. Parmi tous tes morceaux, quel morceau que toi-même tu préfères, que tu aimes, et tu dis, tiens, ce morceau-là, c'est mon préféré. Ce serait dur de faire un choix, mais quand même, je vais dire, tout est psychologique, hein. Tout est psychologique, et puis par la suite, les bénous. Voilà, tout est psychologique parce que en fait, c'est un morceau. Beaucoup, beaucoup me l'ont demandé si en fait je parlais de moi-même. En vrai, en partie, je parlais de moi, mais aussi pour donner un peu de courage à ces personnes qui. Parce que je sais qu'on est nombreux en fait. On est nombreux à avoir ce courage, mais qui n'est pas assez pour nous pousser à agir. Parce que une chose est de dire je vais, et une chose est de le faire. Le fait d'être assis, de dire par exemple demain je vais en studio et puis voilà, je fais un morceau et tout. C'est une chose ça.
Et c'en est une autre demain, là, de se lever comme ça et de dire, voilà, je vais, en fait. Donc, il faut que tous, autant que nous sommes, nous ayons cette motivation qui puisse nous pousser à prendre des décisions. On peut tomber, ça peut arriver, mais que cela ne nous pousse pas à abandonner, tout simplement. Le message derrière cette chanson, Guélegbe, nous qu'on aime bien. Il a parlé tout est psychologique. Voilà. Et qu'en est-il de Guélegbe-nous? Guélegbe-nous, j'ai cité aussi Guélegbe-nous. Exactement. Parce que quelque part, les deux... Guélegbe-nous, oui, oui. Guélegbe-nous aussi, c'est un morceau, en fait, pour... C'est vrai qu'il y a ce côté où on encourage, mais plus, c'est plus pour dire qu'on est tous des hommes vaillants et tout. Voilà, on est... On peut tomber 10 000 fois, il faut se relever à chaque fois, tout simplement. Mmh. Collaboration avec First King. Avec T-Gang, avec qui encore? Avec Bobo. Hein. Avec Bobo récemment. Mmh. Collaboration à venir? Bien sûr. Exclusivité, on peut le savoir? Faut lâcher. Secret. En fait, j'aime bien donner surprendre ces personnes qui m'accompagnent, parce que déjà, pour ceux qui me connaissaient depuis plusieurs années, ils étaient étonnés de voir qu'il y avait une collaboration avec First King. Parce qu'on sait reconnaître First King, on sait la musique qu'il fait. Moi, je faisais pas j'étais pas dans ce registre musical, en fait. Indice. Béninois, de quel pays? Oui, quel Béninois. Béninois. D'accord, il fait quel style? Béninois, il est chaud. Hein? Il est chaud. C'est tout? Il est chaud. Mais il est chaud. Il est très chaud. On peut son hit. Un de ses hits. Moi je connais la. Ok. Mais bon. On terre le nom. Allez, Chris Beat, nous allons cette fois-ci aller sur Sans Détour. Mais avant, tu viens de le dire, tu as réalisé une cinquantaine de beats. Et nous avons quand même fait une petite recherche. Et du coup, tu vas te concentrer sur l'écran témoin. Et on va voir si tous les beats là que nous avons compilés ont été effectivement réalisés par Chris Beat. On regarde. Une petite compilation des beats composés par Chris Beat. Est-ce qu'il y en a que tu n'as pas composé? Non, ouais. Tout ce qui est là, ce sont mes œuvres. Donc, c'est l'auteur de toutes ces belles œuvres. Ah bon, mais félicitations à vous parce que vous avez fait une très bonne recherche. Hein. Avec la complicité de ton manager. Je me demande bien comment vous avez su pour Arcel, parce que la signature est tellement basse que beaucoup ne remarquent pas. C'est le moment maintenant de découvrir, de permettre aux téléspectateurs de découvrir des choses qu'ils ignorent sur toi, t'es mélomane. Oui, c'est Chris Beat, il est beatmaker, il est artiste, mais au fond, qu'est-ce qu'il est? On va le découvrir maintenant, juste après le jingle avec Céline Gauvin.